Donc ça va être un format Death Run. Pour m'accompagner ce soir, il y a Tigrou, comme vous le voyez, dans mon équipe. Comment vas-tu? Hey, ça va, ça va. Il y a ensuite l'ami Steven. Comment vas-tu, Steven? Très bien, et vous? Ça va, ça va. Tu peux me tutoyer, on est entre nous, tu sais, il n'y a pas de problème. Il y a aussi Ulex. Ah, Ulex avec son skin de glace, là, je le vois directement. Et le dernier, le meilleur pour la fin, donc Flo qui est avec nous. Donc c'est Flo qui a créé cette map, c'est lui qui a réalisé ce petit parcours bien sympa. Donc là, dites-vous que c'est une V1. Il y aura forcément des V2, V3 beaucoup plus poussés, améliorés avec des délires. Donc ça, on compte sur vous dans les commentaires pour nous donner toutes vos idées et tout ce que vous souhaitez qu'on rajoute dedans. Donc j'ai décidé de me mettre devant le petit panneau SNG que nous avez fait, qui était fort sympa. Du coup, avant de commencer le jeu, première question, est-ce que vous avez passé de bonnes fêtes, les amis? Ah oui. Vous avez été gâté, ça, vous étiez gentil, plein de cadeaux du Père Noël. Ouais. Il arrive en retard. Il arrive en retard. Ah merde, c'est vraiment pas comme ça pour le coup. Allez, du coup, il va y avoir deux équipes. Donc la première équipe va être composée de Tigrou et moi, qui seront les tireurs. Et la deuxième équipe sera composée de Flo, Winex et Steven, qui seront eux les coureurs. Donc le concept, c'est un Death Run un petit peu modifié, parce qu'il n'y a pas le phénomène d'appuyer pour mettre un trap. Mais en gros, Tigrou et moi, on va avoir la lourde tâche de les désinguer pour justement les faire recommencer le parcours. Donc nous, les tireurs, on va être ici. Donc là, il y a des petits coffres avec les petits snipers. Il y a deux étages parce que le parcours se situe sur deux étages. Donc là, quand ils vont sur l'étage du bas, on va se mettre sur l'étage du bas. Et quand ils vont sur l'étage du haut, on va se mettre sur l'étage du haut forcément pour les tirer. Le parcours, il se situe ici. Donc l'étage du bas, on les verra seulement par des petites portes. Donc plutôt safe pour eux, tandis que l'étage du haut sera un peu plus compliqué parce que il n'y a pas de porte, il n'y a que des petites covers et il va falloir prendre des risques. Donc on va faire un petit tour très rapide sur le parcours. Donc le parcours, quand ils viennent à la vie, ils arrivent ici. Et en fait le but, enfin le premier point, ça va être tout simplement pour eux de courir tout droit, d'éviter, il n'y a rien, voilà. Il n'y a rien de compliqué là, c'est vraiment facile pour eux de pouvoir faire le premier aller. Et surtout le truc très important, c'est que au bout, ils vont devoir faire demi-tour et revenir. Donc là, il va y avoir des petites potentielles trappes avec pas forcément des pièges, mais juste des petits rebondisseurs, des petits congeleurs, des petits trucs un peu chiants qui vont leur compliquer la vie pour se déplacer et faciliter la nôtre pour les désinguer. Et donc en fait, une fois qu'ils sont arrivés tout au bout, ils viennent ici, hop, ils passent là et là, ils ont la porte d'accès à l'étage. Donc la porte d'accès à l'étage, en soi, l'étage est pas ouf hein, parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire, juste des petites trappes à éviter, des petites passerelles à sauter. Et le but, c'est d'aller tout au bout pour eux. Et nous, l'avantage qu'on a, c'est que EDR en haut vont être ultra découverts, donc ils vont devoir jouer intelligemment pour pas que nous puissions les shooter facilement. À la fin, ils ont des petits coffres, et du coup, dès qu'ils ont les petits coffres, ils ont le droit de se décaler, nous n'aurons pas le droit de leur tirer dessus, et ils ont le droit de nous tuer pour voir qui va gagner ou pas. Donc la vraie question là, ça va être tout de suite, est-ce qu'ils vont réussir ce parcours, qui au premier abord peut paraître simple ou non pour les tireurs comme pour les coureurs, parce qu'il y a des petites particularités. Donc là, Flo va lancer la game, bien gentiment, on va commencer, on va regarder ça. En attendant, les amis, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelles améliorations, si vous voulez plus d'étages, ou qu'on améliore encore le parcours, parce que comme vous le voyez, Flo a utilisé que 21 000 mémoires sur 100 000, donc il y a largement de quoi l'améliorer et de l'amplifier pour faire vraiment un truc de dingue. Donc le but, c'est d'y aller étape par étape et de le construire et de l'améliorer avec vous, avec vos retours, pour que ce parcours vous plaise. Et ce qu'on va faire, si Flo est d'accord, c'est qu'une fois qu'on aura fini le parcours totalement, donc avec vos retours d'ici 2 ou 3 épisodes, on vous mettra le code. Comme ça, vous pourrez y jouer avec vos amis. Donc ce sera aussi votre parcours en plus du nôtre et de celui de Flo. Yes. Du coup, Flo, quand tu veux, tu peux lancer la game. Nous, on est prêts avec Tigrou. Je vois... Je suis en train de m'échauffer les doigts. Je pense que Tigrou est chaud. J'espère que ça va aller là, parce qu'avec les fêtes de Noël, ça fait 4-5 jours que j'ai pas joué. Donc le shoot, à mon avis, ça va être drôle. Ok. Donc let's go. Donc du coup les amis, ça y est, on est parti. Là il y a Tigrou avec moi. Bon, même si Bulek c'est encore écrit dans le menu échappe, ne me demandez pas pourquoi, mais je vous garantis qu'il est en face, on a bien vérifié. Donc ce sera Tigrou et moi contre Bulek, Flo et Steven. Il nous reste 56 minutes dans le serveur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on part à 56 minutes pile et vous aurez jusqu'à 40. Donc ça vous laisse 16 minutes pour essayer d'aller au bout. Si vous allez au bout, vous avez le droit de nous tuer et forcément vous aurez gagné avant, et à ce moment-là on inversera peut-être les rôles. Du coup, allez. Les amis, il vous reste 18 secondes pour vous mettre en place. Nous, on est avec Tigrou, on est prêt. Donc, Flo et. Soyez chaud. Et Steven, vous vous mettez là sur la droite, comme ça. Non, mais vous vous mettez sur la droite, comme ça, moi je peux passer, genre. Ouais, c'est ça, vous tanquez.
Ouais, c'est bon, on va sortir la clé. Let's go. Bim. Et bon, maintenant, laisse-toi. Hop là. Laisse-toi. Je viens de tirer sous ses pieds. Oh, c'est chaud. Ah, le bas est vraiment dur pour nous, pour le coup. Ouais, mais les balles, elles passent pas à côté, hein, pour nous. Ça va, Thibaut. Il va falloir... Attends, Thibaut, recharge toutes tes armes, ils vont faire le demi-tour. Okay. Oui, il vient de me voir d'abeille, il a pas compris. Je suis désolé. C'est trop dur pour nous. En fait, les flèches, elles sont tellement petites que c'est vraiment dur. Fallait pas parler en même temps, parce que comme ça, je vois le pic. C'est lui qui se prend tout, c'est cool. Genre, je me prends pas les... C'est bon, comme ça, je peux ressentir direct. Ok. Donc let's go. Donc du coup les amis, ça y est, on est parti. Là il y a Thibaut avec devant. Moi. Bon, même si lui il s'est encore écrit dans le menu échappe, ne me demandez pas pourquoi. Ah, c'est chaud. Garantie qu'il est en face, on a bien vérifié. Donc ce sera Thibaut. Flo et je monte déjà parce que il nous reste 56 minutes dans le serveur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on part à 50. En gros, on n'a même pas touché un. Et vous aurez jusqu'à 40. Donc ça vous laisse 16 minutes pour essayer. Il y a le petit gros derrière qui va passer encore. Ouais, mais c'est pas grave, le ministre qui est en haut en prio. Parce que sinon, avant, et à ce moment-là, on inversera peut-être les rôles. Ok, donc là maintenant, les amis. Il devrait essayer de 10 secondes pour mettre en place, de monter, et c'est là que ça va être dur. On est prêt. Donc, Ich. Comme il a dit, Ich. Il s'est fait recter. Allez, let's go. C'est ça, je vais tanker. Du coup, je reviens direct en haut ou je refais tout? Non, non, il faut faire le parcours complet. Après, l'avantage, c'est que normalement, nous, si on est focus sur d'autres, Mais dites pas que c'est encore sur moi que vous êtes en train de tirer là. Pas tellement. Oh, au secours. Ah, le bas est vraiment dur pour nous, hein, pour le coup. Ah, merde. Ils avancent ouais, pas mal, les deux. Ils passent pas à côté, hein, pour nous. Ça va, Thibaut? Bah, ça va. En fait, C'est flou. Il va falloir... Attends, Thibaut, recharge toutes tes armes, déjà. Faire demi-tour. Ok, il est au bout. Il vient de me voir d'abbé. Oh, non, il y a le deuxième qui l'a suivi. À la vous avez le droit de nous tuer. Les elles sont tellement petites, c'est vraiment dur. Il est déjà au bout. Imagine qu'on ferait rager Willy que je le tue, là. Genre pourquoi y'en a que je vois pas, c'est Steven. Ah si, Steven, je le vois. Il est, oui, Steven, merde. Arrive au bout ici, Steven. Hein. C'est caché. Il est en train de le suivre. Il shoot son arrivée devant. Ok. Ah ouais, je vois pas. Ah ouais, c'est chaud. Hop. Il est tellement bien toi de faire les malins. C'est plus un piège. Je monte déjà un peu. Non, non, je l'essaie. Oh, Flo, il s'est prévu tout seul. Il coup dur pour Jean-François. Par contre, je vois pas Steven. Il est une visite sur Ulex, Thibaut? Parce que sinon. Là, il va arriver bientôt au dernier étage. Là. Je crois qu'il arrive. J'ai encore des armes, mais je tire pas jusqu'à là-haut. De monter, et c'est là que ça va être. Merde, j'ai bugué. Je vois Ulex qui trace avec sa pêche, trace le mur. Il est là. Comme il a dit à l'intro, j'ai vu Ulex. Je vous aime pas, je vous aime. Je refais tout. Non, non, il faut refaire le parcours. Par contre, c'est hein. Steven, là, j'ai la vision. Après, l'avantage, c'est que normalement, nous, si on est focus sur d'autres, tu peux... Où tu roules? J'ai sauté au-dessus de la balle. J'espère que c'est encore sur moi que vous êtes en train de tirer, là. Pas tellement. Oh, au secours. Mec, merde. Vas-y, les gars, avancez. Les deux, là. Oh, bah, je le sais, ah bon, il y a un piège tellement con. Il y en a un, là, en fait... C'est Flo. Tu cours, arrête de me viser. Je te vois. Il est au bout déjà. C'est pour ça que j'ai mis la ville au bout. Vous avez le droit de le tuer après. Nice, je suis content. Il est déjà au bout. Débloque le compteur, ça y est. Je vais commencer à douter mon truc. Je le tue là. En fait, y'en a que je vois pas, c'est Steven. Ah si, Steven, je le vois. Oh, il a pas bougé. C'est caché. Bon. Ok. Ah ouais, je vois pas. T'es focus. C'était pour toi, Willex. Ouais, je crois que c'était pour moi. Non, non, vas-y, s'amuse. Couvre-moi. Oh, Flo, il s'est pris tout seul. Il court. Ok, Willex, il a mis un piège. Oh, Willex, oh, Thibaut, tu t'es arrêté. T'as une visu sur Willex? Bah, là, il va arriver bientôt au dernier étage. Du coup, c'est parce que pour moi, tu reviens, c'est fini. Allez, pourquoi pas. Merde, j'ai bugué. C'est quoi? Je vois Willex qui traverse avec ta pêche, traverse le mur. Il est là-haut. Il est à l'entrée, ok, j'ai vu. Non, c'est chiant. J'ai l'impression qu'il va ramener des scopes à cette team, c'est ouf. Ah, ce serait tellement une bête idée. Mais c'est clairement ce que je viens de faire. J'arrive, les gars, mais c'est dur. Allez, où tu roules? J'ai sauté au-dessus de la balle. Mec, vas-y les gars, avancez. Oh, bah, ah bon, j'ai pris un piège tellement. Ah, j'ai peur de maths.
Mais là, il essaye de viser pour ta peau. Du coup, arrête de viser. Steven, t'as un clear shot sur Matt là. Non, je cherche, moment, je trouve pas. Je l'ai eu du bas. Là, il est tout à gauche, caché par le. Il est devant, Watt. Ça y est, t'as commencé à douter de mon shoot. Je vois Tigrou là-bas, celui qui me vise. Moi aussi. Il est tout droit de Tigrou. Tigrou, arrête de viser. Quoi, il a pas pris ça? J'arrive, les gars, j'arrive. Wow, parce que je sais pas combien il a de snipe. Il y en a plein. Attends, viens. Focus. Merci. C'est pas les balles qui vont avec. Faut récord. C'est bon, on est tous là. Oh. Ah. Gros, ça pue pour nous, hein. Okay. Oui. Parce que eux, ils ont des covers, hein. Nous, on en a pas. Je vais en faire une rafale de 5 balles. Du coup, pour vous maintenant. Bah, tu reviens, on va aller, c'est fini, hein. Oh, la balle est passée pas loin. Oh, tu crois? Ah non. Ah, désolé, Flo. T'es sale, celle-là, Flo. Bon, bah, je vais en parler, les gars. Bah, du coup, il a pris une 2,75. Et là, c'est bien parce que vous êtes. Flo a réussi à aller deux fois au bout, il a écrit quoi. Ah, ça serait tellement une bête idée. Mais c'est clairement ce qu'il va rentrer. Tu crois déjà, il a eu les gars. Steven, il joue ultra safe. Grave. Oh, les mecs. Mais allez. Tant que les trois sont pas en haut, on n'a pas gagné chaud. Les trois sont en haut là. Ah non. Non, moi je viens de. Oh là, je suis bravo. Oh non, il spawn. Mais là, il essaye de viser pour t'avoir. Steven, moi, rouge. Steven, t'as un clear shot sur moi. Ah, mais du coup, non, je cherche justement, je commence pas. Bah, tu refais le parcours. Sans tirer, je fais cacher le tatin. Du mal, ouais. C'est ouf. Ah, t'es belle, celle-là. Je tire là-bas, ceux qui me visent. Et tout droit, Tigrou. Tigrou, arrête de viser. Ah non. C'est trop long, en fait, je pense. Je sais pas quoi. Ah ouais, c'est trop long, mais là. Y'en a pas, y'en a pas. Moi, vous me tuerez pas, c'est mort. Attends, en gros, dès qu'on a tué Matt, c'est fini ou pas ou fait comment? Merci. Mais il faut que vous arriviez à aller tous les trois en haut et nous tuer. Faut qu'on soit tous les trois en haut. Faut récord, finalement. Est-ce que vous savez? C'est bon, on est tous là. Oh, que... oh là là. Ah. Comment ça tourne, nous, hein? On perd pas, nous avons. Ouais, ouais, mais ça, c'est pas grave, on se voit. Ils ont des covers, nous, on en a pas. Non, je parle de nous. Je vais en faire une rafale de 5. Oui, je sais, je sais. Ah, mais ça veut dire qu'on peut trop jouer intelligemment, là. Genre, il y en a un qui cover pendant que les deux autres, c'est repassé. Le potentiel oh, après du bas ce serait vraiment chaud un peu. Ah, désolé Flo. T'es sale celle-là Flo. Hein. Mais du coup, c'est. Mais là c'est bien parce que vous êtes. Oh non. Flo a réussi à aller deux fois au bout. Hop, y'en a un qui est en train de se mettre des bottes, je sais pas d'où. Moi j'ai tué Tigrou déjà. Steven il joue ultra safe. Grave. Nice. Mais allez. Qui au monde on allait avoir tant que les trois sont pas en haut, on n'a pas gagné. Et essayer de faire quoi les trois sont en haut là. Bah moi j'essaie de passer tranquillement et puis une petite porte. Oh là là. Oh non, il est trop. Je vois les petites portes là, je sens le karma arriver. Voilà, bah là il a réessayé. Et il a encore essayé. Il a encore réussi là. Il a encore réussi. Ok, il y a Steven là-bas. Il y a Steven à l'étage, Steven à l'étage, Steven à l'étage. Oui, il me focus, j'aime pas ça. Ah non. Ah oui, mec. C'est trop long en fait, à fond. Ah ouais, c'est trop long, mais là, moi vous me tuerez pas, c'est mort. En gros, dès qu'on a tué Matt, c'est fini ou pas ou c'est comment? C'est pour Steven là-bas. Il faut que vous arriviez à aller tous les trois en haut et nous tuer. Si vous êtes tous les deux ensemble, il y a moyen qu'elle ait été pour Steven, normalement de base. Après, si vous êtes collé, oh là là. Non, je pense que j'ai un souci. Je vais avoir un souci. Ouais, ouais, mais ça, c'est pas grave. Il y a Steven qui arrive presque au bout. Ouais, je c'est parfait. Ah, mais ça veut dire qu'on peut tout faire intelligemment là. Genre, il y en a un qui est fait. Ça, il m'a tiré dans le pied. Il m'a tiré dans le pied. Forcément, après, du bas, c'est ça. Par contre, j'ai plus de vue sur les autres. Il y a Willex qui a peur en bas, il est accroupi. Je l'ai vu, il est accroupi dans tout le bac. C'est pas vrai, je suis même pas accroupi. Non, ça, chaud. Oh non. Ok, il est là-bas. Oh, c'est oh, pas le trajet. Ah bon des je sais pas d'où. Ok, je vois Matt. Mais non, mais. Moi, je t'avoue, si c'était pas Tigrou, c'était moi. Nice. Il est où Tigrou? Ah ouais, je vois Tigrou. Tigrou, j'aime bien voir Tigrou. Je commence à avoir un bon pré-shoot là. T'as essayé de faire faux, Willex? Laissez-moi tranquille. Moi, j'essaie de passer de l'avant et puis Tigrou, il est en train de se faire plaisir. Il est là où il est là où. Ah ouais, non, je suis pas là-haut. Je sens le. C'est fou. Le karma arriver. C'est fou. Là, il a réessayé. Il a encore essayé. Parfois, il y en a, je sais pas du tout si elles sont pour les mecs du haut ou s'il a encore réussi. Ils sont pour Bibi là. Oh non, il m'a payé. Reste caché, attends-nous. On arrive. Quand il dit tempo, c'est tempolé. Ok.
Ok, alors attends, je les vois pas les deux là. Moi je vois Tigrou, c'est moi, bon. J'ai une pause. Ouais, je te vois. Tu fais quoi derrière le mur tout à gauche. Je suis caché. Si vous êtes tous les deux ensemble, il y a moyen qu'elle ait été pour. Vas-y, okay, t'en peux une masse. Normalement de base. Vas-y, go. Non, t'as cru. On rejoint Flo. Flo, tire. Maintenant. Il y a Steven qui arrête en secours. Ils sont sur le retour, tu vois. Alors attendu parce qu'il y a Tigrou qui me vise, je peux pas tirer. Non, il a la petite touffe de cheveux dessus du mur. Il m'a tiré dans le mur. Par contre, j'ai plus vu sur les autres, c'est Tigrou. Il y a Oulex qui a peur, en bas il est accroupi, je l'ai vu, il est accroupi dans tout le bac. C'est pas vrai, je suis pas accroupi. Ouais, bah écoutez. Bouge pas, t'inquiète. Ah, ok, il est là-bas. Faire tout le trajet. On arrive presque. Okay, oui. Mais non, mais. Moi, je t'avoue que si c'était pas Tigrou, c'était moi. Ok, ils sont où ou pas? Ils sont où? Là, ils viennent arriver au studio. Je commence à voir. Vas-y, Oulex, tu peux venir. Laissez-moi tranquille. Aïe! Un Tigrou, il a 2-3 montes. Il est là où? Il est là-haut. Non. Non, je suis pas là-haut. T'inquiète, c'est juste. Il a pris un piège. Il a déjà eu. J'en ai marre de ce monde, je me suicide. Parfois, les matchs, c'est pour les mecs du haut ou c'est pour moi? Je vais pas dire, mais faut que les filles. Elles sont toutes pour moi. Je les entends. Mais là, il est en train de tout tracer là. Oh non! Reste caché, attends. On a retiré les connards. T'empolé. Ah, Willex, c'est temps. Tu peux tirer en le parcours. Tu peux tirer en bas aussi. Mais le truc, c'est qu'il faut que tu sois tout le temps. Oh, mais non, cette balle. Dans le petit trou de la porte, le machin. Mais quoi? Derrière le mur. Oh, tu dois être la porte de 99. Genre, Flo, par contre, t'as trop de sur les fêtes. Y'a un brûlé qui est passé. Vas-y, Willex, go. Y'a un brûlé qui est passé. On rejoint Flo. Flo, tire. Maintenant. Ok, je les vois. On a un nombre tellement petit quand on est en haut et qu'on tire en bas. Y'a Tigrou qui me vise. Je peux pas tirer. Sans rien, toi. Tu veux pas en bas? Oh mon pfff, j'en fous, j'avance. Ça arrange tout le monde. Tant pis, tu veux la mort. Matt, il est en train de reload. J'ai vu tes cheveux, ils sont là. Bouge pas, t'inquiète. J'ai pas de cheveux, je suis un espèce de corbeau. On arrive presque. Je suis un espèce de corbeau. C'est vrai? Oui. Salut Steven. Voilà. Donc ils sont haut ou pas? Ils sont en haut, là il y a un vidaille. Ah ouais, je suis très bas quoi. Vas-y Oulex, tu peux venir. Eh, vous voulez pas bouger. Vas-y Oulex, t'as que un qui va passer. 1, 2, 3, montre. Non. Oulex, je le vois, je l'ai... En fait, j'ai tellement défoncé. Ok, j'en ai marre de ce monde, je me suicide. Ah non, pense nous. En fait, je suis trop visible. Donc on a retiré qu'on est en haut, c'est ça? C'est ça. J'aurais dû mettre un skin blanc. Oh non, putain. Ah non, Willex, t'as vu tout de suite, il a su, il a compris direct. Ah, on a retiré des points en haut. Bah tout à l'heure, j'ai compris. Ah, Willex, tu en bas.